الزول في اللوان سن 19 دي مايو دي بيري لا تيوث نتمليلي تكذي مولان انت غمسة تدسي وين ثقيا غلانين عندها النظار قبيلي وعظيل ذي الغنفان مع الجوفرن مفوزون دي كابيني هون نكزيل كذ موسو غتفراني من تموثنية قبيلي مع الموفمون pour l'autodétermination de la Kabylie, il y a une conférence de presse à Serengeti, qui est très sérieuse, et des zigzags, et des fahams, à son phare, nous demandons de faire la Kabylie, dans le projet de la constitution Kabylie, dans le TQ5, là, à Fahrar, ce qui est de Kira, Tidwirin, Fillas, Thuran, Athen, Sewell, et Mess, Zidane, Lufton, Liglan, dans le Relève Amenzour, nous n'avons pas la Kabylie, ou à Dél, à Navav, إيوا كنا غادي نسمعو كاع فوسم فاراكين سينير إماس زيد نقول أزول فلاك أزول فلاك رشيد أزول أوك يوكاز محسن سيني تقول تاكينيك صوتي كو سانك إيوا رادني نداغن كوم نو زافون لابيتود دو فير نسلم في محبسنا إلى ندي تمور تاسين نقرا غير ثمان سنوات نتسوارا يوم غاتو فير باش تسند نشوفا ونسلم أوك في قبايليين عندما لان تمور ناضك مازال المرسي سكسين أم زوارو ويفان نغدينيض مس زيدان إيوشو دولا قرار إقبالين أتسعون ثمن داوث نعم بس مثل ديناس فرانسيس وكوا وزاوي جوجي أتيل دفر إن كونستيتوشن ثمن داوث. Donc, en fait, je serais avec la conférence et la présentation. Vous avez intervenu le secrétaire général de l'UNPO. Une avec la constitution, c'est un droit. C'est un droit humain. Donc, il fait partie donc, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, tout un peuple qui se respecte a droit à sa constitution. Et le peuple kabyle, donc, c'est un peuple à part entière. Il a tous les attributs d'être un peuple et aussi d'avoir son état et les attributs, les ingrédients de tout ce que, qui feront partie en fait d'un état, ou d'un état kabyle, dont la Kabylie de demain, donc libre et indépendante. En fait, Maïlam, le peuple, où il y a des la constitution, donc, la Kabylie, il faisait partie de l'Algérie française, hein, donc annexé illégalement, hein, sans capitulation, sans signer quoi que ce soit, à part le peuple kabyle. Donc, il a été intégré de force à l'Algérie française. Donc, pareil, on subissait une constitution qui n'était pas la nôtre. Il a run après. En France, la constitution yagina ne reflète en aucun cas le peuple kabyle dans la Kabylie. Donc voilà, c'est pour ça que la Kabylie dans le peuple kabyle a décidé de se doter de sa propre constitution, de la constitution qui le représente et qui le définit et qui lui donne, qui lui restitue ses valeurs ancestrales, ses valeurs fondamentales, son organisation administrative et sociopolitique qui est ancestrale et aussi le monde, l'humanité se modernise. Donc, il a fallu aussi apporter ces ingrédients de modernité donc, au peuple kabyle, à la Kabylie, le chaînon manquant hein, donc, qui l'a empêché de bâtir son État. Il y a depuis 5000 ans, il n'a jamais réussi à se doter d'une constitution. Et là, aujourd'hui, donc, c'est pour ça que le moment est historique. Le peuple kabyle se donne à la Kabylie, se dote de sa propre constitution qui lui restitue, réattribue ses droits fondamentaux, ses valeurs, son organisation et aussi son désir de se constituer donc comme un peuple ayant son siège aux Nations Unies et pour pouvoir contribuer sa modeste contribution à l'humanité voilà et sur le Conseil des Nations à l'échelle internationale. Est-ce que c'est un Boussine, M. Zidane,
امشي دي لولو صنفارا كين انت من داوس ساقبيديث امشي دي فذان و اشيك تواخذ من اثورا مازم هذي ناس فرانسيس كومو اني لو بروجي لا كونستيتيسيون كابيل اي كومو الى ديماري اي كومو الى ايتي رياليزي Le projet de constitution Yagena, en fait, les racines inus, c'est à partir du 5, c'est la déclaration, avec naissance du MAC, donc la déclaration du 5 juin 2001, quand elle a été décidée pour la première fois pour que la Kabylie se ressaisisse, se ressente son combat sur elle-même, pour elle-même, donc en prenant son destin aux mains. Donc voilà, c'est la première déclaration, c'est là où tout a commencé. En réalité, après, vous avez suivi un petit peu l'évolution Ismis Amkhid Dussan, donc la naissance du gouvernement provisoire Kabyle, après le passage de l'autonomie à l'autodétermination en 2013, après, donc, contre le gouvernement et puis la décision de partir sur donc, le volet donc, sur le droit de l'autodétermination avec la création des attributs, parce que c'est à ce moment-là qu'on commençait donc à travailler sur l'édification, à bâtir l'État kabyle. Et pour un État kabyle, donc, il a besoin de son armerie, et voilà, il a besoin de tous les attributs qui constituent un État. Donc, en l'occurrence, le drapeau kabyle, l'hymne national kabyle, après une arnette, c'est l'état civil, la carte d'identité, le passeport, le parlement kabyle, et après, donc à ce niveau-là, il y a d'autres institutions qui ont dit, on ne va pas tous les passer, hein, donc tout le bilan un peu de Café le Mac, la Navad et tout ça, en l'occurrence, donc le parlement kabyle, et à partir de là, donc c'est, mais la constitution, ça fait partie d'une kiné, mais quand j'ai commencé, j'ai pris mes responsabilités à la tête du GPK, voilà, donc c'était déjà un des projets, mais avant de faire la constitution, donc il faut faire dans les règles de l'art, comment ils doivent se faire les choses, donc on ne peut pas qu'un cahier ou une décider qu'il est la constitution, non, donc il faut s'appuyer sur des institutions, c'est les institutions qui ont fait cette constitution, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, même non, la constitution elle est faite par les institutions, en l'occurrence donc le Parlement, dès son installation, donc dès l'installation du Mini-Akbaïli, on a mis du temps. Donc, il y a son installation officielle et tout ça. Et après, on a mis du temps pour mettre en place une organisation, des projets de loi et tout ça. Et aussi, on a installé une commission donc, parlementaire en charge de la Constitution. Donc, il y a une équipe à l'intérieur du Parlement et qui est en charge de cette Constitution, de l'élaboration de cette Constitution. Et voilà, donc c'est un travail, le travail de la constitution, il a duré quand même deux ans avec vraiment, donc pratiquement chaque semaine, une fois par semaine, des fois deux fois par semaine, donc cette commission, parfois elle s'est réunie en commission, parfois elle s'est réunie en séance plénière, donc avec la présence de tous les parlementaires, donc il y a aussi dans cette commission, il y a les membres de la NAVAD, donc du gouvernement, des fois d'autres membres, des fois 6 mois, donc où on assiste donc à l'élaboration. Il y a beaucoup de réflexions, de recherches. Donc on est parti aussi demander de l'aide à des juristes, à ceux aussi qui travaillent dans le domaine tamazir, qui ont travaillé un peu, qui ont fait des ouvrages, et qui ont fait des historiens, des littéraires, des linguistes, donc en fait, pour un peu piocher sur les valeurs ancestrales de la Kabylie, l'organisation socio-administrative. Donc on a consulté pas mal de documentation et tout ça. Et alors, de temps en temps, quand il y a des blocages, on fait intervenir encore Massa Siloué, donc plusieurs fois Massa Siloué, il a été invité pour s'expliquer, pour trancher sur un certain nombre de questions. Donc voilà, c'était un peu un travail qui est fait pendant 2 ans, d'une façon ininterrompue, voilà, chaque semaine, donc il y a des réunions au niveau du Parlement, au niveau des séances plénières, au niveau de la Commission, au niveau de la NAVAD, au niveau de la présidence de la NAVAD,
et aussi consulter des juristes. Donc, on a un petit peu aussi des juristes, d'autres partenaires à Mazir aussi. Hein, donc, à Tassimoud Nsaoul, Nsaoul Dim Damzabiyen, Nsaoul Dani Chaouyen, Nsaoul même, et Mazir Nna, bien en dehors, mais qui ne sont pas Algériens, mais d'autres pays, Tamazra. Donc, qu'est-ce que vous pensez, tout ça. Donc, voilà, donc on les a consultés. C'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. Et puis, il y a des débats vraiment passionnés, mais avec de la patience. Donc, on ne voulait pas brusquer les étapes. On a pris tout le temps qu'il fallait voilà, pour sortir une constitution. En fait, on l'a voulu qu'elle soit déjà, qu'elle puise ses racines des valeurs ancestrales de la Kabylie. On les a reprises pratiquement toutes. Et aussi, nous avons voulu qu'il ressuscite son organisation administrative et sociopolitique, ce qu'on appelait Sejmer, l'Arch, les mini-républiques et tout ça. Est-ce que c'est un Ouskarav, M. Zidane, un petit dilemme ou rien, un petit chamem? أمشي دي فدا كيكين وذا شو تني سورة في إجلان ذكس بدوغي كين سمز مثل دينات فرانسيس كما vous avez préparé ce projet de constitution Kabyle comment vous l'avez réfléchi quels sont les déroulements et quelles sont les différentes phases de sa préparation. Donc l'équipe hein, donc à la fois les membres de la NAVA, de la commission parlementaire ont épluché en fait toutes les constitutions des pays, des grands pays qui sont connus et réputés pour être stables. Donc, on a puisé un peu dans toutes les grandes puissances, les grandes nations démocratiques. Donc, on a essayé de puiser, d'apporter cette touche de modernité donc aux valeurs ancestrales de la Kabylie pour en faire une constitution donc, complète. Donc, les valeurs ancestrales, l'organisation sociopolitique ancestrale de la Kabylie à qui on a ajouté une touche de modernité puisée dans les différentes, parce que nous croyons qu'on le veuille ou non, c'est des valeurs intrinsèques de la Kabylie, nous faisons partie du monde libre, du monde, donc nous croyons aux valeurs universelles, la laïcité, l'égalité homme-femme, la paix, la justice, donc tout ça dans le monde, la paix dans le monde, donc on voulait donc toutes ces valeurs-là les rajouter, c'est de modernité et tout ça, et là on s'appuyant aussi comment voilà mettre en place une organisation donc en plus de celle ancestrale qui était arrêtée donc aux mini-républiques, la Hajjmah de Koulouch. Donc nous on a voulu rajouter un peu voilà comment mettre en place donc un système politique et qui pourra garantir la stabilité de la Kabylie en tant qu'État libre et indépendant. Et d'ailleurs, comment on a été réfléchi, et ça, M. Sloué a tenu beaucoup, parce que, bon, les parlementaires, quand on a commencé à travailler, voilà, on partit un peu dans tous les sens, c'est normal, c'était à la naissance du projet, voilà, attention, c'est Karnam Karnakhdem, non, peut-être on n'est pas, mais c'est quelque chose de sérieux, la constitution et tout ça, mais au fur et à mesure, donc, tout le monde s'est documenté, tout le monde est allé faire une recherche, donc, bibliographique, et plus c'est toutes les constitutions du monde, et avec le débat, donc, du travail pendant 2 ans, nous sommes arrivés, donc, à faire une constitution. M. Sloué, il voulait l'appeler, c'est une constitution d'amour. Donc, on a insisté sur ça. C'est une constitution qui donne du droit et nous avons évité donc, de rajouter des éléments qui risquent de diviser le peuple kabyle. Donc, en fait, nous avons voulu une constitution consensuelle qui ait un consensus le plus large possible, voilà, et nous connaissons déjà, nous nous défions à dire que cette constitution divise les Kabyles. Non, elle a été réfléchie justement de réunir tous les Kabyles, de se mettre d'accord, d'avoir ce consensus sur un minimum syndical. On fait des droits, après, donc la constitution c'est une loi fondamentale, c'est la loi des lois, comme on dit, c'est la loi un peu qui structure l'État kabyle. Voilà, donc là, et en plus, nous voulons une constitution qui reflète le peuple kabyle. Et celle-là,
le reflète réellement. Donc, c'est pour tout Guinée. Un Kabyle Guinée qui se respecte, je ne vois pas comment il va laisser tomber cette constitution. Et il va aller dans une autre constitution, en l'occurrence algérienne, qui le nie, qui veut sa disparition et qui lui empêche, donc, le prive de tous ses droits, les libertés fondamentales, individuelles et collectives, son existence, son identité, sa culture, donc il lui enlève tout. Donc ça, c'est un virage, c'est pour ça que nous jugeons que cette constitution est un virage justement pour le peuple kabyle et Smith, au lieu d'aller vers d'autres constitutions faites par d'autres peuples, d'autres identités, là on a la nôtre, elle est faite par les kabyles, elle va être améliorée, les kabyles, c'est le faux, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en tout cas on a une constitution kabyle sur laquelle les kabyles doivent se réunir, la promouvoir, l'adopter pour bâtir donc notre État. Voilà. Donc, qui nous représente, qui représente les Kabyles. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais rajouter par rapport à cette constitution. Et Darren, cette constitution, elle a été réfléchie parce qu'à un moment donné, Atas Lakhbayel, Karnard, voilà, c'est utopique, Mkaran Khadim l'indépendance, Mkaran Khadim l'État, mais ce n'est pas possible, ceci, cela, parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de travail pour les convaincre, comme quoi c'est pas utopique aussi utopique que ça, au contraire, c'est quelque chose donc à notre portée, avec les dinars, donc il suffit juste de le vouloir. On peut le faire, donc le pouvoir, on peut le faire. Donc il faut que le seul problème, c'est la volonté, c'est le vouloir. Et ça, le vouloir, donc il y a actuellement une partie qui clairement se définit comme indépendantiste. On sait que la majorité du peuple kabyle, il est indépendantiste, même s'il ne le dit pas, même s'il le cache, par peur de répression, par peur de toute chose, hein, voilà, mais nous sommes convaincus que le peuple kabyle, donc à force à toute sa majorité, il est pour l'indépendance de la Kabylie, et l'État kabyle, donc on le voit en voyant cette constitution, on peut voir comment l'État kabyle peut se construire, et donc il suffit juste de la volonté. Par contre, le pouvoir, on peut le faire. Donc le pouvoir d'initier un accord, il suffit juste de la volonté. Voilà. Est-ce que c'est dit Sidon, est-ce que c'est un dialogue à Mass Zidane, où il faut un chipoir, c'est le cas, 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 تزوارث شو قلنا ذي سبديين على ذي فوندمون أم كيد أدي لي ذي سان متسير سان ثانت أكتدفلت انت مثلا يقبيليين أم ثقيرا مزمة دينا سفانسي سماس زيدان ونالون دون لي ديتاي كيل سون البرنسيبال بارتي دو لا كونستيتيسيون ان تيرم دو بريامبول لي فوندمون لونغانيزاسيون سوسيو بوليتيك اي ادمينستراتيف دو لا كابيلي أم ثقيرا. La constitution, là, ça, donc plusieurs chapitres. Hein. C'est une constitution qui fait à peu près 25 pages. Voilà, donc il est. On l'a écrit pratiquement en français, hein, les travaux en français. Après, donc, on a fait la traduction en kabyle et une traduction en anglais. Donc, ça, pour démarrer. Voilà, après, plus tard, on va donc, la traduire d'autres langues, mais. Et il faut que ça soit fait parce que les traductions ne sont pas faciles. Après, si on fait la traduction mot à mot, alors on perd le sens. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, on l'a fait en français, en kabyle pour le peuple kabyle, et aussi en anglais pour la communauté internationale. Mais il viendra aussi à terme, donc on va la traduire en espagnol, en russe, en allemand, en chinois, en mandarin, je veux dire, en italien, en portugais, en fait, toutes les langues un peu les plus parlées. En arabe aussi, on va la traduire aussi en arabe. Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, il sera actuellement, donc là, la conférence, on l'a distribuée, donc on en a fait quelques exemplaires, donc l'éditeur nous a fait quelques exemplaires, un en Ottawa, pour qu'il reste un peu historique. Voilà, donc on a fait deux formats A4,
Et puis, on a eu 5 formats A5. Juste, on lui a dit pour les besoins de la conférence, mais l'éditeur, il est en train de travailler dessus. Normalement, il faut au Sénaguina. Après, il sera en SBN, il sera sur Amazon. Et aussi, on pourra... Donc, il sera édité au Canada. Et voilà, il sera édité ici en France aussi. Et puis, donc, il aura un SBN et tout ça. Et aussi, on mettra en ligne sur Internet. Voilà. Donc, il y a, comme toute constitution à Knidner, il y a un préambule. Et pourquoi le préambule? En fait, il a traduit pourquoi nous sommes arrivés là, pourquoi nous avons besoin de cette constitution et pourquoi aussi nous sommes arrivés à ce stade. Donc là, le préambule, c'est un récit historique qui retrace un peu l'histoire de la Kabylie depuis son existence. Hein, donc les premiers historiens qui ont écrit sur la Kabylie il y a 5000 ans et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Anida, donc on revendique l'indépendance donc, de la Kabylie. Donc on a retracé tous les moments forts de la Kabylie et aussi ses moments faibles, ces moments d'échec, ces moments de désillusion. Voilà, donc on a retracé tout ça parce qu'il faut assumer son histoire. Voilà, donc c'est l'un des rites, il faut l'assumer. Il faut écrire donc, l'histoire réelle et ça ne sert à rien de falsifier l'histoire. Donc c'est ce qui est fait, donc le préambule, il a un peu retracé toute l'histoire de la Kabylie depuis qu'elle existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Là, on proclame aujourd'hui la constitution, le projet de constitution de la Kabylie, et puis on dit que la constitution qui décrit aussi donc comment sera construit l'État, les grandes lignes de l'État kabyle, donc libre et indépendant. Après donc dans le préambule, il y a les fondements. Donc là, les fondements, donc c'est les fondements qui fait référence donc à Knidna aux valeurs ancestrales de la Kabylie, donc toutes les valeurs ancestrales connues, qu'on, malheureusement beaucoup sont perdues, mais on va les ressusciter. Et aussi nous avons rajouté donc les valeurs universelles, contemporaines, de ce qui se fait de mieux dans le monde actuel. Voilà, donc nous avons la chance, mais avec les dîners, nous sommes axés sur une constitution d'amour, une constitution de droit, une constitution qui valorise d'abord l'humain, et aussi et qui essaye de contribuer à la paix dans le monde. Donc voilà un petit peu, donc c'est une grosse partie. Il y aura des émissions sur la TV, déjà. Là, on a introduit, hier, on a introduit un peu le projet de constitution avec les Nem Kitchwa Khadmakne. Donc, voilà. Donc, mardi, il y aura, donc, c'est M. Slouay qui va être l'invité d'une émission sur la TV pour parler justement du préambule. Donc, là, il va un peu survoler toutes ces étapes sur le récit historique de la Kabylie, Iglène et la constitution. Donc nous l'avons voulu qu'il soit assez exhaustif, donc toutes les stations, les plus grandes stations d'histoire, donc ils y sont, et puis pour convaincre, parce qu'en le lisant on comprend pourquoi nous sommes arrivés à Nida. La Kabylie doit être donc un État libre et indépendant. On aura notre indépendance, notre constitution et notre place dans le monde en tant que peuple à part entière. Voilà, donc ça, c'est la deuxième partie de la constitution. On a dit le préambule, on a dit les valeurs, donc les fondements. Et après, on commence à attaquer donc, l'organisation sociopolitique. Donc, le schéma ou bien le système politique choisi pour la Kabylie, c'est la République fédérale de la Kabylie. Donc, pour la République, bien sûr, nous sommes une République. Pour le caractère fédéral, c'est que nous avons voulu construire, à l'image de la Suisse, donc des États fédérés qui sont proches du citoyen. Donc, il faut que la décision se prend à proximité du citoyen. Il ne faut pas qu'un système jacobin à centraliser. Il y a quelqu'un qui ne connaît rien dans les réalités quotidiennes du citoyen
Donc, il se trouve à 2000 km, il va lui prendre la décision à sa place. Donc, on rapproche. Voilà, donc on reprend un peu ce qu'on appelle donc, les États fédérés. Les États fédérés, on reprend Tejmaat, on reprend l'Arche, et Tejmaat aussi, on reprend Tejmaat Mouqart, yani Tedderf, la femme dite Mouqart, Atsaoum, il va se baser sur ce qu'on appelle les Kardien, les arrondissements, et Mounsmen Kouni Tessia. Donc, pour nous, on a repris Tessga, c'est quartier, arrondissement. Mais là, le premier palier exécutif, là, le premier palier des institutions de la Kabylie, c'est bien Tejmaat. Donc, Tejmaat Tedder, et après, Tejmaat Guy, il peut aussi, mais là, il fait plus de 5 000 habitants, non, 10 000 habitants, donc il sera organisé, là, composé, bien divisé en plusieurs Tessga, hein, donc le pluriel du Tessga. Après un certain nombre de Tijmouyar, donc ils vont construire l'arche, donc on garde les arches ancestraux. Ça veut dire qu'on ne va pas trop, comme par exemple, dans une horne en Kini, bon, je parle parce qu'il est une sorte l'arche de Mansour, l'arche de Mishdel, l'arche de Thiala. Donc voilà, au Gada Guinée, ils peuvent, l'arche qui ont l'habitude de se connaître, voilà, d'avoir. Pratiquement les mêmes traditions, la même culture, les mêmes rituels et tout ça, ils peuvent donc se constituer en un État fédéré. Voilà. Et puis, là, en Kabylie, voilà. Donc, l'Arche, ici, l'Arche, une subdivision de l'Arche qui vont constituer l'État fédéré. Voilà. Et après, donc, l'État fédéré, il aura. Et Laura, donc il y a des suffrages directs et des suffrages indirects. Il y aura le Parlement, donc chaque État fédéré aura son propre Parlement local, voilà, qui sera donc un suffrage direct. Il y aura aussi le gouvernement, le gouvernement donc, qui va sortir soit de la majorité au niveau du Parlement local, le Parlement de l'État fédéré, une coalition gouvernementale. Donc, ils vont fournir ce qu'on appelle le chef de gouvernement de l'État fédéré. Voilà. Et voilà, donc le chef de gouvernement de l'État fédéré, il s'appelle gouverneur. Voilà, donc à taille humaine, à l'image de ce qu'on connaît en Suisse, les cantons et tout ça. Voilà, et ça, donc, on explique dans la Constitution, donc cette troisième partie qui est l'État fédéré. Donc, il explique un petit peu. Le système donc, administratif et l'organisation sociopolitique locale, donc au niveau de l'État fédéré et toutes les institutions. Voilà. Après, tous ces États fédérés, au-dessus de ces États fédérés, il y aura donc, l'État fédéral, lui qui va s'occuper principalement des fonctions régaliennes, de souveraineté et qui va défendre la Kabylie donc à l'échelle internationale. Et voilà, elle aussi donc l'État fédéral, il aura son Parlement fédéral donc au suffrage universel et le Sénat qui va venir des Arches. Donc, comme je dis, bon, au niveau du Parlement, c'est des formations politiques, donc c'est des militants, hein, c'est voilà. Au niveau du Arche, c'est un peu au niveau du Sénat. Donc, ça va venir des Arches, des représentants des Arches et des Sénat pour un peu faire le contre-pouvoir, voilà, pour balancer un petit peu entre le gouvernement, entre le Parlement. Voilà. Donc, il y aura le Parlement, il y aura le Sénat, donc le Parlement fédéral, le Sénat, et il y aura aussi donc, le gouvernement donc, de l'État fédéral qui va sortir de la majorité présidentielle du Parlement fédéral, dans une coalition gouvernementale, hein, ce qui se fait un peu de mieux dans le monde. Et après, au-dessus, il y a la présidence, donc, la présidence de la République fédérale du Kabylie. Donc ça, c'est la quatrième partie de la Constitution, c'est l'État fédéral. Et donc, il y a beaucoup d'institutions fédérales, voilà, donc le Conseil constitutionnel, le Conseil de la magistrature, l'Académie Kabyle, le quatrième pouvoir, à savoir donc, la régulation de la communication et de l'audiovisuel, il y aura le Conseil de l'État, donc il y aura un certain nombre, le Haut Conseil de sécurité de la Kabylie qui existe déjà, hein, nous l'avons mis en place, et il y a aussi donc, le Conseil économique, le CESEC, voilà, donc il y a un certain nombre d'institutions donc de l'État fédéral du Kabylie. Et après il y a aussi l'ANAYA. Donc l'ANAYA en fait donc c'est un concept, c'est une institution en elle-même
Donc, il sera rattaché. Donc, le président de la République sera le chef suprême, donc le chef de l'État d'abord, et puis donc garant de la Constitution et de respect de la Constitution, et aussi le chef suprême donc de l'ANAIA. L'ANAIA, c'est quoi? Donc, c'est là où seront rassemblés tous les corps de sécurité de la Kabylie. Donc, tous les corps de sécurité, de défense, de maintien de l'ordre, de garde des frontières, la police maritime, tout ça, tous les corps de sécurité, donc, donc ça sera le chapeau, la police intérieure, les gardes forestiers, tous les corps de sécurité, donc c'est une institution à part entière. Qui va un peu protéger le peuple kabyle. Donc ça au niveau de l'État fédéral. Il y a beaucoup de concepts nouveaux. Donc, Maradi Fakni, quand on le mettra en ligne, vous allez découvrir que voilà. Et puis on a mis en place des choses. Comment se fait la révision de la Constitution, les traités à signer, Donc il y a beaucoup de choses, de lois un peu, d'articles de la Constitution qui vont un peu donner les grandes lignes de la Kabylie. Après, derrière, donc les projets de loi, les textes de loi vont mettre en place des codes nécessaires pour la vie quotidienne des Kabyles et du peuple kabyle. Voilà. Donc voilà un peu les quatre parties. Donc il y a le préambule, les fondements, les États fédérés et l'État fédéral. Et voilà, donc on a l'État fédéral qui englobe un peu tout ce que c'est un gros morceau. Donc voilà en gros la composition de la Constitution de Kabylie. أنا مث مس زيدان في تفاصيل كيان تشمض سلقايت داخل تمندو تكيان ثوراوي تي دي تولي انت كي 5 تن سام توغنا ثم توتنا ان فيزيون ان ايماج جينيرال دو لا كونستيتيوشن كي كابيل دي هغان كي تفهم هذه تزوانا لماك اكد انافاض اكد ايمني اقويلي قيمت كن ثورا مس زيدان سكسيان كيرو ويفرا دينير ذا شو اللي قيمنا اللي تواخدم كي كاين الصياغه بزاف ام شاد ديال اليوم وسكاسي ذو غرف قبيلين وذاغن ويفنا دينيف ام شي زمان ديال اليوم من خاص فرانسيس لادوبسيون با سي دينير اوف سيكيس فرانسيس كي سون دي زي ديفيرونت ايتاب كي ريست ا فير كومون كونتي اورغانيزي لو ديبا بوبليك اي كومون غا ليو سون ادوبسيون اوكي ديسكسيون ديال مسجد. Voilà, Natura, après la présentation qui a eu lieu donc, le 19, nous sommes en train, d'ailleurs c'est ce qu'on fait donc, avec TQ5, CNMF et TQ5, de faire partie de l'équipe là, donc, qui va un peu aussi aider pour le débat, pour permettre le débat. On va l'expliciter donc, sur Farkwale TV. Nous avons, le 14 juin, nous avons arrêté un programme 7 ou 8 émissions pour justement expliquer en détail donc la constitution kabyle. Donc ça c'est un effort de notre part pour justement expliquer, parce qu'on ne peut pas demander, lancer le débat tout de suite si on n'a pas expliqué, parce que quand on l'explique, on dit pourquoi on a fait ça, ça aide donc le peuple kabyle à débattre, à critiquer s'il le faut, à proposer s'il y a des choses qui ont été oubliées ou quelque chose qui ont été mal dites, mal comprises. Voilà, donc ça fera partie du débat à partir du 14 juin. Donc on va lancer solennellement, officiellement, le débat public donc kabyle sur la constitution. La RAN, à partir de là, donc il y aura des émissions sur Takwaili TV, TQ5 peut en faire aussi pour débattre sur la constitution. Il y a en parallèle la commission parlementaire chargée de la constitution, donc c'est elle qui va suivre un peu tous ces débats-là. Il va prendre des notes et au fur et à mesure que le débat. Donc, on organisera des réunions hebdomadaires, justement, pour évaluer un peu le débat et prendre des notes. C'est ce que nous allons faire. Donc, la commission, c'est elle qui va suivre le débat. C'est elle qui va consigner
tout ce qui est voilà tout ce qui a été dit, et après au niveau de la de la commission, au niveau du Parlement, au niveau de la Navade, on fera comme nous l'avons fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc des réunions pour discuter un petit peu, pour suivre un peu de tout ça. Donc le débat public va commencer donc le 14 juin. Il va prendre quatre mois, disons, donc juin, juillet, août, septembre, jusqu'à octobre. Après, à ce moment-là, octobre, donc la commission de constitution, on va mettre à jour, selon le débat, hein, selon les résultats du débat, on va mettre à jour donc la nouvelle constitution et qui sera proposée donc définitivement. Voilà, pour adoption et promulgation. Bon, comment on va l'adopter? Donc, tout dépendra de l'évolution de la situation sécuritaire des Timorais. Donc, soit nous allons opter pour un vote référendaire. Donc, nous avons déjà une plateforme de vote électronique prête à utiliser. Voilà, il suffit juste de la configurer, hein, c'est juste une configuration, un travail d'une journée ou deux jours, hein, de la plateforme de vote électronique pour préparer donc le référendum pour la constitution kabyle. Voilà, donc pareil, c'est un référendum qui va avoir lieu donc à partir d'octobre. Soit référendum avec la plateforme de vote électronique ou bien, si on n'arrive pas, parce qu'on connaît, on ne veut pas mettre en danger le peuple kabyle, voilà, donc on organise un vote via un congrès parlementaire. Donc, le congrès parlementaire, nous avons déjà le texte de loi qui a été adopté, et comment est organisé le congrès. Parce qu'il y a deux congrès, bon, il va bientôt sortir. On n'a pas encore promulgué, mais il a été adopté par le Emilia Kweili. Et dans quelques jours, on va pouvoir promulguer. En fait, ça sera donc le congrès. Il y a deux formes, une forme parlementaire et une forme élargie. Ça aussi, c'est une innovation kabyle. Donc, élargie, ça veut dire c'est un congrès donc, parlementaire élargi aux autres institutions kabyles. Voilà, en l'occurrence, donc pour prendre des décisions importantes, des décisions politiques importantes, majeures, qui engagent un peu la Kabylie. Donc, ça sera pris avec la réunion donc, du Congrès élargi, composé des chambres parlementaires et aussi d'autres institutions donc indépendantistes kabyles, donc élargies à tout ça. Voilà, donc nous allons décider d'ici donc novembre, est-ce qu'on va le faire avec. Mais on va préparer déjà la plateforme de vote électronique pour le référendum. Donc, on va décider est-ce qu'on va le faire via le référendum ou bien via un congrès parlementaire. Donc, voilà. Et la promulgation, ça va être fait donc in year 2023. Voilà. Et ça, donc l'adoption définitive de la Constitution. Voilà. تنمير مس زيدان تلامك مس زيدان لفظ الأنغلاف أمزوهون ونفاض أقبل لغو عظيل ذي الغنفة يديس فهمن يديس سيكزان أصنفان من دوة التقبلية ثم سلقيت يكذي كذي سكسين ولي كاها ثنتقران مس زيدان. Donc, pour revenir juste sur cette constitution, si le peuple kabyle donc il a rejeté donc avec un vote 0% du vote des élections présidentielles, il a aussi donc boycotté et rejeté donc avec un vote de 0% les élections parlementaires, les élections législatives, pareil pour la révision de la constitution. Donc la Kabylie se trouvera ne reconnaît pas le président Tebboune, ne reconnaît pas son parlement, ne reconnaît pas la constitution, ne reconnaît pas aussi non plus les assemblées locales, les APC et les APU. Et il y aura maintenant la Kabylie. Donc, si on fait ça, on ne va pas faire pour Kanakagina. Donc, il faut qu'il y ait une suite logique dans les événements. Maintenant, il est temps pour la Kabylie. Il y a déjà la Navade avec ses forces et ses faiblesses, avec ses qualités et ses défauts. Voilà, donc s'il y a des manquements, on travaille avec les moyens de bord, on va avoir zéro moyen. Donc, notre capital, c'est notre détermination, c'est tout.
Donc, voilà, il est temps pour que le peuple kabyle voilà, s'aligne, renforce un peu le gouvernement provisoire de la Nabad, renforce le Parlement kabyle. Le Parlement kabyle, on va l'élargir, Daran. Voilà. Ils vont relancer un peu toutes les institutions indépendantistes de la Kabylie et aussi donc adopter cette constitution. Voilà. Donc, on refuse celle de l'Algérie. Maintenant, on a les nôtres. Et donc, c'est là où l'enjeu avec les Dinkar, ce n'est pas un problème de pouvoir, c'est un problème de volonté. Si le peuple kabyle veut, il peut. Et nous sommes là pour l'aider donc à sortir de cette nuit, de cette humiliation qui est chaque jour qui passe sur la Kabylie actuellement. C'est une humiliation. On n'est pas que les peuples du monde arrivent donc à s'affirmer, donc à contribuer sur à l'échelle internationale. On est considéré comme des esclaves, des sous-hommes. Voilà, donc il est temps que ça change, et pour que ça change, il n'y a pas d'autre solution que cette voie indépendantiste, cet État kabyle qui protégera et défendra les intérêts de la Kabylie, du peuple kabyle. Comment il va être constitué l'État? Donc cette constitution est une feuille de route. Nous connaissons tous les projets que nous allons faire. Voilà, donc ils sont déjà dans la constitution. Nous allons les mettre en œuvre, voilà, une à une, voilà, toutes ces institutions-là, jusqu'à après, à un moment donné, on dira quand, hein, pour l'instant, on va pas en parler, mais la proclamation de la naissance de la République fédérale du Kabylie. Voilà, donc c'est une suite logique de l'événement. À un moment donné, on ne dira pas quand, mais à un moment donné, on proclamera la naissance de la République fédérale du Kabylie. L'ère d'Inara, Rachid, c'est une merci, Hamidar, Zagina, une schilafti Q5 pour justement participer au débat sur la Constitution. C'est une merci. C'est une merci, Zidane, le fol, Glen, Dan, Ralef, Amenzourne. On a parlé de le premier ministre de la Navarre, gouvernement provisoire de la Kabylie en exil, ici à Annemelé, les Douilini, les Sidon, les Douilini, les Nédon, les Sintel Nédon, à Ondiné, les Thémat, les Salouis.